Salut à tous. Alors, comme vous savez, le Mavic Air a trois principaux défauts. Premier défaut, c'est la liaison entre la radiocommande et le drone qui est inférieure à celle de ses grands frères ou de ses concurrents. Ça, j'en parle dans cette vidéo-là, qui peut vous aider à avoir les principes de base pour avoir une meilleure liaison entre le drone et la radiocommande. Second défaut, c'est niveau autonomie qui est assez réduite par rapport à ses grands frères, encore une fois. Et le troisième défaut, c'est le bruit qu'il fait. Il fait un bruit assez fort et assez aigu, qui est pas discret et qui est assez gênant, notamment pour les animaux qui sont à côté. Et donc depuis quelques semaines, une boîte américaine, Master Aircrew, a sorti des hélices dédiées au Mavic Air. Ils sont pas nouveaux Master Aircrew, hein, ça fait quelques temps qu'ils font des hélices pour Mavic Pro et pour d'autres drones, et donc ils sont déjà très fiables. Master Aircrew annonce que ces hélices-là réduisent le bruit de 3 décibels et demi, c'est énorme. 3 décibels en moins, c'est la moitié du volume sonore en moins. Donc si c'est vrai, c'est vraiment énorme. Et second point, Master Aircrew annonce un gain de 12% d'autonomie. Si c'est vrai, c'est énorme. Alors ces hélices, je les ai achetées. Aujourd'hui, on les teste. Trois points m'intéressent. Premier point, est-ce que vraiment il y a un gain au niveau du son? Deuxième point, est-ce que niveau autonomie, il y a une différence? Troisième point, est-ce que niveau maniabilité, aussi il y a une différence du moins, du plus? Voilà, on y va. Voilà, donc j'ai fait un vol avec ces nouvelles hélices et plusieurs remarques. Déjà sur l'emballage, vous voyez, il y a marqué low noise, donc un bruit plus bas, mais c'est aussi un bruit plus grave. Low pitch, c'est une note plus basse. Et c'est vrai que ces hélices sont un peu moins bruyantes. J'ai essayé de mesurer avec mon application, je vous mettrai les chiffres à l'écran si j'y arrive. Elles confirment que c'est plus bas, d'environ 2 décibels en moyenne. Donc c'est quand même assez proche finalement du volume sonore que fait un Mavic Pro 2 par exemple, ou un Mavic Pro, ce qui est donc un gain. Mais c'est surtout qu'elle est plus grave, la note est plus grave. Et donc c'est moins dérangeant que ce bruit un peu strident d'abeilles qui volent qu'on a avec les hélices d'origine. Donc au niveau du volume sonore et du type de son plus grave, pour moi c'est concluant. Voilà. Après en vol, j'ai eu une petite alerte problème électrique sur le moteur. Je sais pas si ça a un lien avec les hélices. Elle est restée 30 secondes affichée, je vous la mets à l'écran là. Et après elle a disparu. Mis à part ça, aucun souci. Il y a peut-être un peu plus pâteau au niveau du comportement. Un peu moins réactif, mais comme elles sont plus souples ces hélices, peut-être que ça vient de là. C'était à peine perceptible, en tout cas j'ai pas eu de soucis pendant le vol. Donc en ce qui me concerne, niveau maniabilité et niveau du volume sonore et du type de son donc plus grave, c'est plutôt réussi. Maintenant on va passer au test d'autonomie, parce que là j'ai pas pu vraiment tester ici, donc je vais aller à la maison et tester vraiment sur un vol statique ce que ça donne vraiment au niveau autonomie entre ces hélices là et celles d'origine. Alors me revoilà au studio et pas mal de choses à vous dire. Déjà j'ai fait pas mal de vols avec ces hélices pour comparer l'autonomie des batteries avec ces hélices ou avec les hélices d'origine. Des vols en statique, hein, des vols normaux où je me balade. Et bon c'est assez clair, il n'y a pas eu un seul vol où j'ai duré moins longtemps avec ces hélices là qu'avec les autres. D'accord ? Donc j'ai toujours fait entre 30 secondes et 1 minute 30 de vol en plus avec ces hélices. Alors, mesurer 12% annoncé, c'est pas possible. Par contre, en tout cas, niveau autonomie, rassurez-vous, il n'y a pas de perte, voire il y a un petit gain. Une minute de vol sur un quart d'heure, c'est quand même pas mal. Donc, en ce qui me concerne, avec ce modèle d'hélice-là, le contrat est rempli. Maintenant, vous savez, sur mes premiers vols que j'ai fait au début de cette vidéo, il y avait un message d'erreur qui est apparu, de erreur moteur, vérifier les hélices. Et donc j'ai envoyé un mail à Master Aircrew, ils m'ont répondu en me disant que j'étais pas le seul à avoir eu ce message, et ils m'ont expliqué un petit peu leur façon de voir les choses. Donc selon eux, ces hélices donc, ont un rendement meilleur que les hélices d'origine, et en fait, l'application DJI Go 4 a du mal à interpréter ce rendement meilleur. Et pour ne plus avoir ce message d'erreur, il conseille de baisser le gain à 80%. Donc vous allez dans les paramètres, les trois petits points en haut à droite de l'application, vous prenez l'icône drone, celle qui est la plus haute, ensuite vous allez dans paramètres avancés, dans gain, et dans l'onglet gain, vous baissez tout de 100% à 80%. Tous les gains baissés à 80%. En faisant ça, ils disent que normalement, il n'y a plus de soucis. Et du coup, donc ça baisse un peu la puissance du drone, mais comme ces hélices-là ont un meilleur rendement, au final, on revient à un fonctionnement normal. Alors après, j'ai regardé quand même sur YouTube d'autres vidéos de différents youtubeurs, et pour quasiment tous, ça a résolu le problème. Il y en a qu'un qui a eu encore une alarme par-ci par-là, en mode sport, voilà. Mais bon, sachez qu'en tout cas, cette alarme-là n'a pas de conséquences sur le drone, sur le moteur. C'est juste l'application DJI Go 4 qui a du mal à interpréter le comportement du drone par rapport à la puissance qui est envoyée. Donc voilà, donc la petite procédure apparemment est efficace. Alors, en résumé, niveau maniabilité,
J'ai pas vu de différence, hein, ça fait le boulot. Il m'a semblé qu'il était un peu plus pataud, mais bon, je sais pas si c'est vrai. En tout cas, c'est peut-être dû au fait que les hélices soient plus souples, mais ce n'est pas du tout gênant. En termes de bruit, il y a vraiment un gain, d'accord? C'est pas énorme, mais il y a un gain, c'est moins fort et c'est surtout plus grave. Donc au final, c'est un son qui est moins gênant, au moins à notre oreille à nous. Enfin, niveau autonomie, c'est pas pour ça qu'il faut les acheter, mais en tout cas, il n'y a pas de perte, voire il y a un petit gain et c'est toujours appréciable. Alors en conclusion, est-ce qu'il faut acheter ces hélices? Bon, Master Aircrew, c'est une boîte qui est connue, qui est fiable et qui fait du bon travail. Donc moi, je ne crains pas du tout de casser mon drone à cause de leurs hélices. Premier point. Deuxième point, ça dépend déjà de si vous avez vraiment une grosse gêne par rapport au bruit du Mavic Air. Ceux qui ne sont pas trop gênés, ça sert à rien d'aller acheter ces hélices. Si par contre vous êtes vraiment gêné par le bruit du Mavic Air, ben il y aura un gain, d'accord? Parce que c'est moins fort et c'est plus grave, donc ça passe mieux. Donc dans ce cas-là, allez faire un tour sur leur site, d'autant plus que, ben, comme je vous disais, niveau autonomie, il n'y a pas de perte, voire un petit gain. Faut savoir que pour l'instant, elles sont vendues uniquement sur leur site et non sur Amazon, donc il y a les frais de port à payer qui sont de 15$, donc 20$ les hélices, 15$ le frais de port, donc en tout 35$. Je vous mets le lien en dessous si vous voulez jeter un petit coup d'œil à leur site. Et puis dès que je verrai qu'elles seront disponibles sur Amazon, ils m'ont dit que ce serait le cas bientôt, je vous mettrai le lien direct vers Amazon et là il n'y aura plus les frais de port à payer, donc ce sera encore plus intéressant. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces hélices, ceux qui ne les ont pas si vous comptez les acheter, ceux qui les ont, quel est votre avis dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, partagez-la, pensez à vous abonner, le pouce bleu qui m'aide beaucoup. À très vite pour la prochaine, d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.